Bonjour, on est là à Bakoudamba et vous êtes monsieur? Je réponds au nom de Jean-Baptiste Guinicoré. Je suis directeur de cette école. Et c'est où l'école? L'école était déjà en ruine. Vous voyez seulement les bâtiments déjà écroulés, tout est foutu. Combien de bâtiments il y avait? Il y avait sept bâtiments. 7 bâtiments. Et maintenant il reste? Il ne reste rien, sauf les caracas que vous voyez. Voilà. Et combien d'enfants allaient à l'école? Il y avait plus de 450 élèves ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Notre village a été attaqué le 2. C'était le 2 janvier 2009 par la LRA. Et nous étions contraints de fuir sur Doroma, sous l'escorte militaire. Sur les militaires qui étaient venus nous escorter, c'est parce que ça ne tenait pas. Et depuis tout ce temps-là, nous sommes à Doroma jusqu'aujourd'hui. Donc ici au village, il n'y a personne. Non, nous avons déjà commencé à regagner notre village petit à petit, tel que vous pouvez vous promener parmi la population. Vous verrez qu'il y a déjà un bon nombre de la population qui commence à regagner le village. Mais, et alors les enfants, ils restent où pour aller à l'école? Les enfants, pour l'instant, ils étudient à Doroma dans les après-midi à l'Institut Ndolomo. Et Doroma, c'est où? À combien de kilomètres? Doroma, c'est à 12 kilomètres d'ici. À 12 kilomètres. Et donc les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Il y a des enfants qui sont basés là-bas. Il y en a qui font Doroma, Bakoudamba, chaque après-midi, aller et retour. Chaque 12 kilomètres. 12 kilomètres, ils effectuent ça et certains de mes enseignants aussi et moi-même. Et donc il y a aussi des problématiques sur la roue, ou bien est-ce que la fréquence à l'école peut être régulière? Bon, avec tous ces paramètres tels que je vous l'ai dit, bon, ça ne permet pas que l'école puisse évoluer très normalement. Nous sommes vraiment en difficulté. Et donc, quel est le plan maintenant ici pour l'école? Le plan. Qu'est-ce que c'est, par exemple, ce matériel-là? Bon, c'est l'ONG Intersos. Oui. C'est l'ONG Intersos qui est venue ici nous visiter, faire des évaluations. Et puis, ils ont proposé venir à notre secours pour nous assister à ce qui concerne la construction de cette école. Et puis, ils ont demandé à ce que nous puissions, nous, la communauté, nous puissions quand même contribuer un peu. C'est pourquoi nous avons commencé à faire sortir le sable et les moellons. Donc, c'est la communauté donne aussi un peu de matériel là. Voilà, c'est ce que nous avons déjà commencé à fournir, des sables et les moellons. Ok. Oui. Alors. Et puis il y a encore une grande quantité de sable qui sont là au ruisseau. Ok. Oui. Voilà. Merci. Merci beaucoup.